النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبو موسى رضي الله عنهما إلى اليمن. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal et Abu Musa al-Ash'ari comme deux prédicateurs au Yémen. بعثهم للدعوة إلى الله. Il les a envoyés pour qu'ils prêchent à Allah. وكذلك يعني يقضيان بين الناس. Et afin de juger entre les gens. وأمرهم الله سبحانه أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتطاوعا. Et qu'est-ce qu'il leur a dit le prophète صلى الله عليه وسلم? C'est qu'ils soient unifiés et qu'ils s'entendent. ويتفقا ولا يفترقا. Qu'ils se mettent d'accord et qu'ils ne se divisent pas. إذن لابد أن يكون هذا حال الدعاة. C'est pour ça que telle doit être la situation des prêcheurs et des prédicateurs. نتعاون. Nous devons nous entraider. نتفق. Nous devons nous entendre. نجتمع. Nous devons nous réunir. على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. Sur ce sur quoi se sont réunis le prophète عليه الصلاة والسلام. ولا نفترق كما افترقت اليهود والنصارى. Et nous ne devons surtout pas nous diviser comme se sont divisés les juifs et les chrétiens. نكون أمة واحدة. Nous devons être une seule communauté. قبلة واحدة. Notre قبلة est unique. رب واحد سبحانه وتعالى. Notre Seigneur est unique. نبي واحد عليه الصلاة والسلام. Notre prophète صلى الله عليه وسلم est unique. شريعة واحدة. Nous avons une seule et même religion. لابد أن تقوم هذه الأمة كما قامت الأمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. C'est pour ça que la communauté à notre époque doit revenir à ce sur quoi était la communauté du prophète sallam à son époque. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام والله أعلم. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous réunisse dans l'au-delà avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Allah est le plus savant.